pas encore passé. Pas encore passé. Oh, il en manque quelques heures encore. Papa habillé comme à Jerry Lawler, qui fait toujours la même entrée. Royal Rumble après Royal Rumble, papa rentre. Ça va être à considérer, là. Si papa au Tijda se rend en finale contre, disons, René, alors si c'est René qui gagne, c'est René automatiquement qui va faire avec Mathieu la dernière fois, et c'était. Makaya. Makaya, aussi, qui vient rejoindre son père, son oncle et le Don. La tune Sweet Child of Mine. Sweet Child of Mine. Oh, 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 il attaque son père. Oh! Nickel slide à l'intérieur, c'est le combat des Baldies. Yeah, oui, c'est vrai! Qu'ils plus de cheveux! Qu'ils plus de cheveux, ils sont dans le ring! Mais de toute façon, dans la BCW, il n'y a pas grand monde qui a des cheveux dans. Oh, René va-t-il sortir tes gilets? Il va être rendu à son 3ème lutteur sorti! C'est bien, c'est quelque chose que j'aime. Ouh, oh, Justice is out! Justin! Joe is out! Justice is in! Moi, j'aime ça avoir les lutteurs. Oh, Makaya, vas-y, mettre le pendant! Il a mal, non! Ça, c'est fair! Kick! Oui! Ouh, Makaya va-tu trouver son homme en machinanie? Non, mais c'est fair parce que c'est le add-on. Mais c'est que la paix, regarde ça, ils s'affrontent même pas! Ouh! Ceux qui sont éliminés, qui ont dans le fond rien à voir là, puis qui ont été utilisés pour boucher les trous, c'est bon de les voir éliminés parce que ça donne plus de chance. C'est pas frustrant de te faire éliminer par un personnage par rapport. Et voilà. Oh, coup de pied à deux, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, double neckbreaker. Ou plus que double cabas. Ah, c'est double varuna. On l'a oublié, va-t-il venir reprendre son opportunité de se rendre en finale? Un WrestleFest 4, peut-être le plus gros WrestleFest qu'il a jamais eu pour fêter son premier anniversaire. Oh, qui va avoir l'opportunité d'être parmi la sélection officielle des finales. Boom! Ça sera peut-être Chris comme le premier Royal Rumble qui avait donné la possibilité de faire ça. Oh, Iron Man! I am Iron Man. Alors, c'est encore le balai. Hé, hey, René, t'es en train d'étoiler tout ça, là. Festival du coup de pied. Oh, du coup de pied. Emmanuel, as-tu des comptes à régler avec Mastrani? Ça paraît que c'est des ennemis. Ils s'aiment pas bien, mais. Oh, Justin Barrett! T'es des cheveux! Justin Barrett veut parler d'un or! Regarde ça, par-dessus, il a trois coups! Oh oui, c'est rare! Non conventionnel, ça marche pas de cette façon-là, Justin. Les gens prennent son temps, il y a une démarche très très... Il y a quelqu'un qui va mettre... René va mettre du Vivaruda d'or! Regardez ça, on va le pousser à deux! Oh non! Vivaruda, l'expérience, il sait qu'il doit pas rester près des corps. Oh, tu as vu le move d'Emmanuel? Non, j'ai pas vu ça! C'était toute une projection! Oh, Vivaruda is gonna be out! Justin va-t-il sortir son premier lutteur à vie? Oui! C'est fait! Et René va sortir Emmanuel? Non! René fait un signe oust pour le Jim! Jim est frustré, il dit, écoute, c'est moi l'ancien champion, tu me dois respect! Oh! René va se faire mettre dehors par Mickaël? Est-ce que Justin va l'interrompre? Ou y participer? Oh! René va-t-il réussir à sortir de celle-là? Non, Makaya, elle est en feu, il va le pousser! Oh! Quel dommage! Éliminé par Makaya! Et il est en furie! Et oui, il reste encore Justin le justicier, Mickaël le flying man, Tijuan sexy Carrero et The Iron Man. Iron Man, oh, Iron Man va-t-il sortir? Tijuan! Est-ce que la sexiness de Tijuan va mettre Emmanuel à l'extérieur? Est-ce que le hype. Bah! Wow! He's out! Out! Est-ce que Justin va être out? Et c'est à primaire qui s'en vient! Oh! Qui va faire? Justin, c'est out! Qui va faire la mais qui manque la rentrée? Samuel! C'est tout! Oh! Neckbreaker! Oh my god! Samuel, autrement dit, pour la deuxième fois, oui, pour la par Makaya. La deuxième fois, Justin va savoir faire mettre Samuel va rentrer le dernier pour la deuxième Royal Rumble de suite de mémoire. Oh! Mickaël est en feu! Oh! Boom! T'as tout le corps là! Sans toute surprise! Oui! Samuel, qui est encore content d'être arrivé le dernier? Est-ce que c'est moi ou la dernière fois, il s'est fait mettre dehors en 3 secondes et quart? Je ne sais pas, mais ça va être Final Top 3! Ouais, t'es sûr? Je pense que oui. Miguel qui est encore rempli d'énergie. Ah oui, c'est vraiment le top 3. C'est la deuxième fois que Samuel et Christophe se retrouvent dans le final top 3. La dernière fois, c'est Dominique qui avait été là. Caratellement. Les deux s'en prennent à Christophe. Oh là 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 là. Wouh, projection dans les cordes. Est-ce que Christophe va aller le pousser dehors? Va éliminer Mickaël. Oh non, projection. Renversement. Non, il va essayer de projeter Christophe. Non, par là, ça marche pas. Quelle injustice. Oh non, ça marchera pas comme ça.
Ça marchera pas, Christophe a plus de tournoi sur ça. Quel aveuglement. Oh, puis encore une fois, coup de pied, coup de poing. Oh, bang. Est-ce que Makayal est en feu de se rendre pour la deuxième fois champion de la Royal Rumble? Est-ce que ça va être Samuel qui va réussir à détenir ce titre? Ou c'est Michael qui va être notre Cendrillon qui va avoir dans le fond parti de pas mal bas pour monter pas mal haut? Michael, ça fait un bout de kill là. Oh mon dieu, que ça a été une belle prise. Reversal! Quel coup de pied! Non! Coup de pied bloqué, la ceinture noire ne lui sert guère à ce Samuel. Oh my god! Quelle performance de la part des trois! Ouais. C'est serré, et Jean-Paul, endors-toi pas! Je suis pas venu pour rien samedi matin chez toi! Ouais! Oh, mais Kayal est venu pour rien! Il va se faire pousser dehors! Oui! Samuel va le mettre dehors! Samuel va le mettre dehors! Regardez-moi ça! Est-ce qu'il va être out? Kayal va être out! Ouh! Est-ce que ça sera une finale? Samuel contre Christophe! Bye! Ouh. Bye! Charlie! On se souvient du dernier combat, Christophe avait tellement mal mené dans un combat par équipe. Samuel, peut-être aura-t-il une revanche de la part de Samuel cette fois-ci? Samuel va être là, peut-il racheter sa piètre performance oh, la dernière man, fois? Oh man, suck it! Ça c'est une vraie, c'est des moves de ceinture noire! Karaté, mais c'est le même move que j'ai là-bas avant. Est-ce que Christophe va réussir à faire quelque chose? Reversal! Est-ce qu'il va pousser dehors? Ouh, encore! Est-ce qu'il va le prendre, le soulever, le pousser dehors? Encore, blocage, reverse. Blocage! Oh, encore! Dans le bas du dos! Encore! On va pas vers les cordes, Samuel! Oui, vas-y, pousse! Oh non! Allez, Christophe, t'es capable! Quoique Samuel est en train de malmener encore une autre fois! Boum! Pousse! 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 Oh là, pousse! 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 Pousse, man! Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Il bloque le mauvais. Je t'as tout du corps là! Mets-toi debout et pousse-le! Avant que je bave encore plus le micro à Jean-Paul! Eh oui, le micro à 500$! Allez! Oh! Quelle performance! Vraiment, Samuel est en feu! Mais là, Christophe est fâché! Ah, Christophe n'en revient pas! Allez! Il se dit, j'ai pas fait tout ce chemin puis je me suis pas levé à 16h du matin pour venir chez Jean-Paul! Faire des commentaires! Passer si près de la finale! Non! Si je viens ici à 6h du matin faire des commentaires, c'est bien pour me rendre jusqu'en finale! Tasse-toi de là! Reste pas après le décor! Christophe, c'est son finisher ou c'est Samuel qui est son finisher? Oh non, Christophe, vas-y, ça veut dire que si j'essaie de le mettre dans c'est toi qui l'as! Est-ce que Christophe mettrait d'une manière totalement épique Samuel dans un finisher? Le fameux move que je suis capable de projeter de la troisième corde que j'ai jamais vu de toute ma vie. Ça serait sublime. Allez! Allez, vas-y, fais le revers. C'est un reverse kitten, mais dis-toi que tu es safe si tu vas vers les cordes. Crois-tu? Tu peux t'en sauver, oui. Oh, je ne sais pas, je suis tellement stressé que j'en oublie qu'il faut que j'aille au gym. Oh, quel coup de pied de ninja! Ton café fait effet. Là, normalement, si ton bonhomme s'en prend, tu es sauf. Ah, coup de coude! Pourquoi utiliser le finisher? Vas-y, quelle performance en finale! Un combat épique, Samuel Christophe, pour la revenge! C'est la deuxième fois! Oh, encore! Coup de coude, deux fois de suite! Comment Samuel, il se creuse les manèges, comment je vais le faire? Ah là là, c'est génial, peut-être ce matin! Là, normalement, Christophe pourrait utiliser son finisher. Oh, je ne sais pas, j'espère qu'il va le faire! S'il vous plaît! Pouf! Nice! Même pas utiliser le finisher! Vas-y, fais-y ton vrai finisher! Fais le deux finisher! Oh my god, il faut pas que je les gaspille! S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît! Comme vous pouvez voir, je fais pas de commentaires, c'est Christophe qui parle tout seul! Allez! Allez! Come on, Chris! Ouh! Vas-y! Je vais faire le move de la fin qui va faire. Qui va amener. En primaire! Let's go! Ça va être fait! Non, pas encore! Pas encore. Quelle performance! Je vous avoue de s'arrêter. Spectaculaire de le voir faire un finisher pour mettre à l'extérieur. Oh, je veux voir ça, moi. Ouh, bang! Là, peut-être. Peut-être que ça va se faire là. Je fais pas son finisher. Peut-être que ça va se faire là. Allez, est-ce qu'il va le pousser? Il devrait faire est-ce son que Chris finisher? Va être le champion? Oui! Yes, sir! Avec mon final 3! Top! J'ai même pas besoin de mes 3 finishers! Sucker! Qui l'aurait pas dit? Hello, je te mando le de Portugal. Ok, ça suffit. Alors, on voit ici Christophe. T'as vu une grosse zoom sur mon cul. Christophe qui a gagné. Deuxième fois dans la même année qui sera en finale de la WrestleFest grâce à la Royal Rumble. Qui reste encore déterminé. Donc, il y a Tristan en finale. Christophe qui vient s'y rendre. Yes, il pointe le ciel. Sky's the limit.